Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Fry HD, la chaîne où on parle moto Harley Davidson et plus particulièrement du Softail Standard. Et aujourd'hui, c'est le jour du Quarter Fairing, épisode 3. Alors on s'est quitté lors de l'épisode 2, j'avais prévu de faire fabriquer une pièce en aluminium à un fabricant, commande CNC, le truc propre, nickel. Et puis en fait, quand j'ai découvert le tarif, 123€ la pièce, c'était trop cher pour moi, hein, juste pour une petite réhausse. Donc j'ai pris la décision de la fabriquer moi-même. Avec l'aide de copains, on a fabriqué cette pièce en acier. Et je vais vous montrer les différentes étapes de fabrication de la pièce. Et je vais vous montrer le montage également du quarter sur la moto. Et puis ensuite, on va se poser quelque part pour découvrir la moto de face, faire le tour et puis voir quelle tête ça lui fait, quoi. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous montrer donc la réhausse de phare que j'ai prévu de fabriquer. Voilà, je l'ai modélisé en 3D. Donc c'est cette pièce-là qui va me permettre de rehausser mon phare. Donc ici, on voit qu'il y a un petit téton, hein, parce que le support de phare intègre une petite encoche dans laquelle vient s'insérer ce petit téton, ce qui permet d'éviter que le phare ne bouge avec les vibrations. Et donc évidemment, sur le tête fourche en dessous sur lequel est fixé le phare, nous avons également un petit téton du même style, hein, qui vient s'encastrer dans le trou qui est ici. Voilà. Donc là, il me reste à faire ces deux perçages-là, et à positionner ce petit insert, et ensuite on emmènera la pièce au chromage. Donc je vous montre où en est la pièce aujourd'hui. On en est là. Donc on a le perçage central. Il me reste le téton à indiquer ici et les deux petits trois fers en dessous. Allez, c'est parti. Alors voilà, j'ai fini la pièce et je l'ai peinte, on regarde ce que ça donne. Donc la pièce est finie. Alors j'ai fait qu'un seul perçage ici parce qu'en fait ça va me suffire. J'ai prévu de chromer la pièce, mais comme tout est fermé là au mois d'août, pour éviter d'avoir des risques de rouille, ben je l'ai peinte et verni grossièrement. Vous voyez une petite bulle ici, mais tout ça, ça va sauter quand j'emmènerai ça au chromage. Et ce qui va me permettre de la monter pour pouvoir enfin avoir ma bulle sur la moto et puis vous montrer ce que ça donne. Je sais que vous attendez tous. Allez, c'est parti, on va à la moto. Ok, on se retrouve au garage et je vais installer tout ça. Donc j'ai trouvé également la vis qui convient. Puisqu'effectivement la vis d'origine étant beaucoup plus petite, évidemment j'ai pas cette réhausse là, il a fallu que je trouve la bonne vis à la bonne dimension et j'ai trouvé exactement le modèle qui convient chez un fournisseur à Vannes. Je vous laisserai en commentaire le lien du site sur lequel vous pouvez retrouver donc toute la visserie et voilà, c'est super qualité. Et puis ils ont effectivement du pas américain. Et ben écoutez, on va installer ça, allez c'est parti. Alors première chose, je dévisse le phare.
Donc on voit bien la différence de taille entre les deux vis. Ensuite, je vais installer donc ma rehausse. Là, on est pas mal. Ah là, justement, il est au top là. J'ai cartonné. On est bon. Je vous montre ce que ça fait de face avec la rehausse de profil. Alors, je vais essayer de protéger quand même un minimum les vitres, éviter de rayer avant d'installer quoi. Voilà, donc dans un premier temps, il faut que je démonte ça. J'ai collé au milieu une petite bande de scotch pour éviter que ça porte directement sur les fourches. Voilà, donc là, j'ai plus qu'à positionner ça sur ma fourche. Le premier positionné. Donc voilà le but du jeu en fait, hein, quand je les installe, c'est de coulisser cette partie-là, voilà, comme ça. Allez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Lâchez-moi un max de pouces bleus. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis ciao !